La pétition, c'est pour une Guyane propre et accueillante. J'ai mis cette pétition parce que je me suis rendu compte que beaucoup de sites étaient pollués par des poubelles, de toutes sortes de détritus. Et je veux mobiliser les gens, que la population, qu'elle se rende compte qu'elle ne doit pas polluer. Donc j'espérais avoir beaucoup, et j'espère avoir encore beaucoup de signatures pour pouvoir avancer dans cette Guyane qui devrait être propre et accueillante. Je me suis rapprochée avec cette pétition auprès de Guyane Propre pour pouvoir participer d'abord à tous leurs maïoris, parce qu'on fait beaucoup de maïoris une fois par mois. Et comme Guyane Propre doit aussi se rapprocher des institutionnels pour pouvoir, appliquer les règlements, la loi, les arrêtés qui sont mis sur les sites. Il faut que les maires de Guyane aussi puissent, on fait de l'éducation, de la prévention, mais qu'on puisse aussi sanctionner. Et ça, c'est aussi notre but. Donc avec Guyane Propre aussi, on va essayer d'aller voir les églises, hein, qu'elles soient catholiques, évangéliques ou autres, pour pouvoir aussi aller voir le prêtre ou les prêcheurs, et aussi qu'ils fassent dans leur petit discours, leur petit sermon, expliquer aux gens de ne pas laisser des détritus, de nettoyer autour de chez eux, de mettre dans des poubelles, et voilà. Notre but final, je souhaite de retrouver comme il y avait il y a 30 ans, une Guyane propre et accueillante.